Venez avec moi. Je sais pas, non, parce que vous êtes là pour l'enfant. On peut permettre aux gens. On y va. Chers amis, frères et sœurs, parents, amis, alliés, juste avant d'inhumer notre sœur Liliane, je voudrais vous adresser quelques paroles de consolation, quelques paroles de réconfort. Mais vous savez que, en tant qu'être humain, je n'ai pas les mots exacts. Je n'ai pas les mots pour réconforter là, tous ceux qui sont éprouvés en ce moment difficile. Mais je veux croire que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de la famille divino-humaine, il s'est identifié à notre humanité. Pourquoi ? Parce qu'il est descendu à notre niveau. Il s'est identifié à nous. Il est le Dieu de proximité. Vous le croyez, frères et sœurs, chers amis ? Vous croyez qu'il peut vous apporter du réconfort en ce moment ? Eh bien, je le crois. Parce que la parole de Dieu précise dans le livre d'Ésaïe ce qui suit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié,
afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Oui, chers amis, nous voyons aussi la condescendance d'un Dieu aimant qui a laissé le trône céleste. Il a laissé toute cette dignité pour descendre au plus bas même de l'humanité pour venir apporter du réconfort, pour le tirer d'embarras dans le bouclier du mal. Et je veux croire que, en plus de ça, il nous garantit d'une chose que bon nombre de parmi nous souhaitent au grand jour où il va revenir. Et la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, un texte que nous connaissons par cœur, je vous fais rapidement part de ce texte que bon nombre d'adventistes connaissent par cœur, à partir du verset 7 de 1 Thessaloniciens 4, merci. La parole de Dieu dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Notre sœur Liliane ne va pas rester dans le caveau, mes frères. À la voix du Seigneur, elle se mettra debout pour acclamer le Seigneur. N'est-ce pas? Vous le croyez? Et puis, la parole de Dieu continue en disant, ensuite, nous les vivants, puisque lorsque le Seigneur reviendra, il y aura de ceux qui seront vivants. Et alors, nous ne devancerons pas les morts. Amen. Nous ne devancerons pas les morts. Ensuite, nous les vivants, dit la parole de Dieu, qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Et ainsi, nous serons, comment? Toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, donc. Chers amis, frères et sœurs, familles et pleurez donc les uns les autres par ces paroles. Je voudrais très sincèrement, alors que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, vous dire mes très sincères condoléances en ce moment douloureux. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous accompagne dans cette épreuve et que qu'un grand jour, que tous ici, sans exception, je souhaiterais que nous puissions acclamer le Seigneur parce que nous aurons donné notre cœur au Seigneur. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous encourage, je te dis pas. Merci. Éternel, notre Père et notre Dieu, en effet, nous reconnaissons combien tu encourages cette famille parce que tu es venu pour consoler la planète Terre. Et aujourd'hui, nous avons l'assurance, Père, que tu as tout réalisé pour que les uns et les autres, même ceux qui n'ont pas encore d'espérance, qu'ils puissent comprendre la réalité des choses et qu'en temps et en heure, Seigneur, certainement tu les convaincras de péché, de justice et de jugement, de telle sorte qu'ils adoptent la conduite, je dirais, de Liliane, son exemple. Que la famille, néanmoins, puisse suivre cet exemple. Parce que nous savons, Seigneur, que tu abordes tous les cœurs, que tu parles à tous et à toutes. Veuille pénétrer cette famille, Seigneur, parce que nous sommes limités, en effet, pour apporter le baume de circonstance, le baume de réconfort à chacun, dans chaque foyer, parce qu'ils seront dispersés, chacun dans leur foyer, ils auront besoin, Seigneur, de sentir ta présence et ton encouragement. Seigneur, pénètre ces différents foyers, pénètre ces différentes personnes, pénètre ces différents cœurs, de telle sorte, mon Dieu, qu'ils sentent, Seigneur, le réconfort que nous, humains, ne pouvons pas apporter plus grandement que cela, mais que toi, tu es la réalisation même de tout ce qui est, doit être l'encouragement de chacun. Une fois de plus, bénis cette famille, papa, encourage-les comme tu sais si bien les faire, et que mon Dieu, tous et toutes soient réconfortés par ta grâce. Ranime-nous et veille dans ta grande bonté et ta miséricorde, parlez au cœur de chacun, parce que l'éternité approche. Que ton nom soit béni, exalté en Jésus, nous te prions pour ta gloire. Amen.
Pendant l'épreuve, la tentation,
et montant dans le temps que nouveau heureux qui va le voir en porte la victoire, la vie dans le sang de la terre. C'est pas toi ? Non, d'accord. 3%. Mais dis-moi, bah, ça me dépend. Et là, on met 1% en rendement moyen en 2021.
Thank you.